Votre licence expira le samedi 13 juin 2020. Si vous prévoyez de diffuser enregistré au-delà de cette date, vos diffusions enregistrements, ils m'ont pas laissé terminer de lire. Escape Game, et trop Jalf. Attends, faut que je lance les records cette fois. Jamais il est là, là. En plus, c'était bien mon intro là, il a cassé mon intro cet enfant. Mais t'as fait que dalle comme intro, t'as dit le nom de la map. Mais c'est déjà beaucoup, regardez en plus. Déjà, j'ai plus de licence, en plus, j'ai plus de micro, et maintenant, il me casse mon intro. Eh, on n'a pas dit jamais 203. C'est pas une vie ça, vas-y, ça dégoûte. Alt-F4 on... Et soutenez la team Jalf, les gars. Et soutenez la team de Pido. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que... Donne-moi une seule bonne raison. Parce que il sait trop long à écrire. Alors que BOFI11, c'est plus rapide. Quoi? Attends, t'avais pas dit Jalf il y a 2 minutes? Allez, go! C'est parti! Vous avez okay. Rendez-vous avec vos amis à la station de métro Jalf. Votre objectif est d'arriver en moins de 60 minutes. Bonne chance! Let's go! Go, go, go! Il est où le truc de métro là? Le problème c'est que s'il y a les grèves, c'est foutu. Ça dépend, hein! Moi, s'il y a des grèves au Japon, il n'y a aucun problème. Ouh, j'ai récupéré de l'argent. Quoi, il faut payer le métro? Ah, souvenir. Attention, cette gourde n'est pas à boire sous peine de défaite. Ah, tiens, la gourde, c'est ici. Et... Non, je l'ai, moi. Enfin, je l'ai, il faut l'acheter. Non, ah. Il coûte 10 crédits. What? Bienvenue chez Parcours Challenge. Ici, pour une pièce, vous avez accès à des mini-jeux. En cas de réussite, vous gagnez des pièces. Vas-y, mais go, en go, cas go. De défaite, vous ne gagnez rien. Ce n'est pas obligatoire. Pas obligatoire, mais si vous êtes joueur, tentez votre chance. Attends, il faut payer? Bah oui. Mais c'est ce que... Oh là là. Bah, easy. Si tu perds, tu perds rien. Tu perds une pièce. Ah oui. Vas-y, on y va. Bah vas-y, mais moi j'ai pas les thunes, t'ouvres la porte pour moi. Tiens. Oh là là. Oh, on ça m'inquiète. Joueur. Let's go. Oh, ça m'inquiète. Putain, j'espère que c'est pas des pièges. Oh non. Oh, si, on peut choisir. Répulsive ou piège, piège. Jump ou run. Oh, on aurait dû faire l'inverse. Vas-y, jump. Une chance par salle, un d'or par salle. Attends, quoi? Attends, faut que je bunny up. Ok. 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 Ah, je sais plus le faire, c'est... Ok. Bah voilà, GG. On a perdu un crédit, je crois. Attends, attends, quoi? J'ai juste récupéré, ça m'a remboursé mon truc? Bah ouais, c'est une épreuve. Oh putain. Attends, mais c'est de la carotte! Bienvenue chez Parcours Challenge. Ici, pour une pièce, vous avez accès à des mini-jeux. Bon, bravo. Attends, attends, en cas de réussite, vous gagnez... Ah, mais attends. Non, ok, on paye pas à la fois, ok, ok. Ah mais moi je peux que sortir. Moi j'ai gagné une pièce déjà. Nice. Ah! Attends, comment on court? Attends, c'est quoi ça? Ça va rembourser ma défaite. Putain, pourquoi on n'a pas inversé les rôles? Oulala, oulala. Non! On a droit à une chance, c'est ça? Tu peux faire l'autre épreuve du coup. Non mais on a chance illimitée, la porte elle est ouverte tout le temps, non? Non, 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 là, non, ton épreuve que t'as passée, la porte elle est fermée, tu peux plus la faire. Oh fuck! Bon bah j'ai remboursé moi. Ah, y'a de l'argent ici. Mais tu vas me dire, dans tes deux tests, t'as pas réussi. Y'en a un, c'était répulsive. Oh vas-y là, t'es nul. Je les ai même encore en main, t'es moi que j'ai pas utilisé. Non, non, mais laisse tomber. Ah, en fait! Ouh, distributeur des billets, il donne des billets vraiment. C'est stylé ça. Attends, ah, jouer à Just Dance. Ok, c'est bon, j'ai gagné une pièce. What? Vous avez... Ah merde, ça c'est le début. J'allais relire le texte du début. Moi j'ai tellement le seum d'avoir perdu mes deux pièces. Enfin, ma pièce. T'es nul. T'es froid, enfin, va te faire rembourser. Pièce. Ah putain, je pensais qu'il allait m'insulter ce barrier. Alors que c'est froid, va te faire rembourser. J'ai vraiment cru que c'était une insulte. Ah mais attends, ça c'est le début. Du coup, je me fais rembourser où? C'est où le vendeur de burger? T'as un camion? Bah, je sais pas. Ah! Marqué quoi? Attends, tu vas pas mis ce croquet, il avait marqué un truc. Ah. Test quoi? Je crois que je dois tester des chiottes pour gagner de l'argent. Ok, je suis à 3 pièces. Bon, il y en a une ici là. Moi j'attends qu'elle clignote
Saloperie. Fais-toi rembourser. Ok, j'ai gagné une dans les chiottes. C'était des chèques vachement sophistiqués. Pour boire. Ok, on a volé le pourboire. Ah bah bravo. Je suis à 4. Ok, nice. Moi je suis à 3. On a dit il en faut 10. Du coup il en manque encore 3. Bravo le mathématicien. Ah t'inquiète. Le burger ça doit être l'autre là-bas là. Le camion j'ai été, je vois rien. Comme tu dis il est fermé et quand je fais le tour j'ai rien qui apparaît. Alors sauf si... le bouton il est un peu mal placé et tu galères sinon Ah bah ouais t'es nul. Remboursement, nice. Tente un jeu. Attends. Si on tente un jeu on peut en perdre une aussi. Oui mais faire... on pourrait tenter nous deux dans la même pièce. Je crois pas hein. Si bah, la porte que... elle se referme, je sais pas. Ouais ça... mais non ça change rien parce que tu fais une épreuve la porte elle se referme tout de suite. Oui mais on s'en fout. Il suffit que l'autre soit derrière encore. Je veux dire, on arrive à rentrer les deux en même temps. Bah oui. Moi, je suis pas... Parce qu'après, on a besoin de deux pièces, Poffy. Eh oui, mais si on y arrive, on a besoin qu'une. T'as payé déjà. Non, j'ai pas payé. Allez, on paye. Oui. T'as payé, là? Non, c'est mes carottes. Non. Rendez l'argent aux abonnés. Oh. Ouais, je t'ai dit, fallait pas jouer. Attends. Oh putain, il a joué, il a perdu. Attends, j'étais à 4, hein, on est d'accord? Ouais. Voleur! Scélérat. Oh, oh là. Bon, merci, Wafi. Et merci, la zone. Oh my god. Attends, en plus, on a 60 secondes. Non, 60 minutes. Ah oui, je suis peut-être un peu emballé là. Bon bah du coup vous trouvez deux pièces. Oh putain, véhicule. Il a dû faire un accident avec. Où est-ce Mais attends, il y a un truc là. Ramasser. Putain, on avait la pièce qui manque. Bon, il en manque une encore. Et le véhicule. On peut pas le vendre. Non, je vais l'utiliser, je vais pas le vendre. Donne le véhicule! Je viens de chercher. Attends, comment on klaxonne? Je sais pas, moi je connais que. Lâche le véhicule! Tu vas aller où? Lâche le véhicule. Vas-y, je le lâche. Point. Attends. Là. Ah bah c'était là que je voulais y aller. Voilà. Putain je l'amène parfait. Le mec il fly encore. Allez. Ouais c'est pour ça que je voulais le véhicule. C'était pour aller là. Voilà c'est bon. Du coup faut aller chercher la gourde. Putain. Gourde elle est où? Il est là le beau finance. Alors je sais pas. J'avais le plan en tête. Et simplement tu voulais pas me donner le véhicule. Ok let's go baby. On a la gourde. Junk for cash pound. Comment je me déguise? Let's go! Je suis trop gros! T'as qu'à faire un régime. Oh my god. Un petit truc! C'est sûr qu'il marchait. Ouais. Et là, c'est fermé. Putain. Ah, composté. Nice. Et hop, moi je fraude. Ah, bravo. Bravo la mentalité. Métro, ligne 3. Pantonner des lignes, moi. Elle est fermée. Ah! Prendre le badge. Ah bah non. Non mais t'as ouvert la porte qu'il fallait. Ok je l'ai. Ouais il était où? Métro 3, c'est bon badge. Il fallait ouvrir la... fallait fermer la porte. Ça va péter. Ah. On fait des souvenirs ça. Ok. Puissance oh, maximum. Regarde les fenêtres. Puissance maximum. Ah, bien ça, joué, ça. Ça me rappelle un peu Borderlands. Bon. Vas-y, go. C'est verrouillé. Oh shit. Ouais, je t'avais dit, faut fouiller. Faut trouver un problème. Et ensuite, on va résoudre ce problème. Ah, le problème, c'est. Ah, je l'ai. Le problème, je l'ai. Ouverture infrarouge. Ah, putain, voilà. Bah voilà, c'est bon. Ok. Y'a que moi qui me trompe de porte. Putain. Énigme. T'inquiète, on est des génies. 7, 6, 1, 9. Deux chiffres sont bons et mal placés. Oh, je déteste ce genre de truc. Ah, c'est bien ça! Deux chiffres sont bons mais sont mal placés, rien n'est bon.
Ok. Un seul chiffre est bon et mal placé. Deux chiffres sont bons et bien placés. Attention, tous les chiffres du code sont différents. Ok. Alors, il faut se faire par rapport au dernier et au premier. Parce que c'est là où tu as le plus de choix. Sont bons et mal placés. Donc, le deuxième, enfin, le dernier, il y en a deux qui sont bien. Alors, au pif, on a une chance sur deux. Non. C'est quoi ton hypothèse? Je vais arrêter de comprendre. Parce que, regarde, attends. Deux chiffres sont bons et bien placés. On a le 9 qui est là-haut. Deux décale chiffres. Ton skin il gêne un peu. Deux chiffres sont bons et mal placés. On a le 9 là-haut. Et on a le 1. Un seul chiffre est bon et mal placé. Donc on garde le 1. Donc il n'y a pas de 0. Et du coup... T'as fait une hypothèse là pour retirer coup, le 0. Du coup t'as forcément un 8 dans l'histoire. Ouais, d'un coup il m'a rajouté des chiffres. Attends, le code c'est 4 chiffres. Bah oui, mais ça va de 0 à 9. Hein. Ah mais tu m'as mis 0, 1, 9... Non, le 0 est pas bon. Regarde. Laisse-moi t'expliquer. Dernière ligne. Deux chiffres sont bons et mal placés. T'as éliminé le 4, 5. On dit que le 9 est bon et le 2 est bon. En haut, deux chiffres sont bons et mal placés. On a le 9 et le 1. Un seul chiffre est bon et mal placé. Du coup, on a le 1. Et vu que le 4, 6... 4, 7, 6, 3, rien n'est bon, et que le 0, 5 et le 4 n'est pas bon, il nous reste le 8. Faudrait, en fait, pour moi, il me faudrait à l'écrit, parce que là, je... Non, attends, laisse-moi... Non, on a les 4 chiffres. Ouais, mais là, pour les mettre bien dans l'ordre et tout, je suis un peu perdu. Bah, du coup, c'est simple, attends. Deux chiffres sont bons et mal placés. Et moi, sur papier, c'est plus simple pour moi, là, sur le coup, ouais. Sont bons et bien placés. Du coup... On avait dit le 9 et le 2. Ouais, du coup, si je mets quoi? Tu mets un 9? Non, et du coup, tu mets. Un seul chiffre est bon. Un 9. Coup, non, pas 1. Pas 1. Si. Un 9. Non, le 1, il y a ma. Ah, si, peut-être. Un 9, 8, 2. Et 1. 9. Combien après? 8, 2. 8. 2. Bingo! Allez, let's go! Chage! Putain! Par contre, j'aime pas trop ne pas avoir un petit bruit qui valide le truc, tu vois. Ouais, la même. Et moi, j'ai pas fait attention personnellement. Let's go! L'épreuve que je redoutais tant, c'est moi qui réussis. Il nous faut un pistolet. Un pistolet. Ah! Arme! Ah! Putain, il était là. Ok. Ah, ça, je déteste par contre. Mettre des éléments dans les anciennes épreuves. Jamais je cherche là. Peut-être qu'on était. On avait pas fouillé, du coup c'était bien au début, tu sais. Comme je t'ai dit, on devait peut-être la fouiller dès le début, la trouver. Oui, mais t'as rien qui te bloque. T'as que maintenant que ça bloque. C'est nice. Faire quoi? Ça c'est verrouillé. Ça c'est la porte. Quoi? Et vous me voyez. Vous me voyez. Ça c'est une bifurcation. Je suis partout. Là, j'ai eu le texte, je suis partout. Vous me voyez, je suis partout. C'est des indices. Ouais. Ah, attends, j'ai un texte dessus. Ah, attends, le bouton, il... Sur la caméra, j'ai un texte, là, attends. Ouais. Essaye, si t'arrives. Ah, oh, shit. Enfin, en sautant, ça va le faire. J'ai mis un graffiti sur Jalf. Ok, c'est pas mon côté. Bah, je pense, non? Arrêt d'urgence. Pouf, pouf, pouf. Escape game. Jaf. Victory. Bravo, vous êtes les meilleurs. Bah oui, on savait déjà, merci. Tu nous apprends rien. Quel arrogant. Bon, j'espère que cette vidéo en compagnie de Topido vous aura plu. C'était Bofi, même chaîne, même présentateur et même bonheur. Bye bye.